Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vite faite, juste pour vous faire voir comment purger les freins sur comment je vais faire pour purger les freins sur la 206, tout bêtement. Donc il faut la petite bouteille que je vais vous présenter maintenant là, et il faut quelqu'un pour pomper, car moi j'ai pas d'auto-purgeur et j'ai franchement pas envie de l'acheter. Hein. Donc pour la purge, on attaque par la roue la plus loin du mètre-cylindre, donc arrière droit, on enlève le petit cache de purge, hop. On met une clé de 8 dessus. Donc déjà on va essayer de le débloquer. Hein. Hop, bah, il ne le pomme pas. Ça va très bien. Donc on met la petite bouteille dessus avec la durite. Voilà. Et là on ouvre. Donc là il y a ma fille qui est en train de pomper. Appuie Eve. Voilà. Donc pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe un coup. On va passer nos trous. Donc là, on est là. Appuie. Pompe. Donc là, appuie Eve. Voilà, pompe, appuie, pompe, appuie Eve, pompe, appuie. Pompe un coup. On va passer nos trous. Appuie, Eve. Pompe. Appuie. Pompe. Pompe bien à fond, Eve. Appuie. Allez, on va passer à l'autre devant. Appuie. Pompe. Tu vois bien, Roman? Appuie. Donc là, on va bien voir sortir des bulles d'air. Voilà. Donc, tant qu'il y a de l'air, c'est pas bon. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe. Donc là, on va faire le. On fait les quatre roues pour dégrossir en fait. Hein. Et après, on fignolera. Coupe. Appuie. Attends. Appuie. On voit bien les bulles d'air. Pompe. Appuie. Appuie. Pompe un coup. Pompe. Tu pompes à fond là, Eve. Appuie. Pompe. Tu pompes à fond là. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe. Allez, on passe une autre roue. Pompe. Pompe. Appuie.
Pompe. Appuie. Pompe. Bon, viens. Ça va, Fufu. Pompe. Pompe. Appuie. Ah, il y a de l'air. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe un coup. Encore un. Pompe. Appuie. Pompe. Elle durcit pas un peu la pédale là. Appuie. Il reste de l'air hein, pourtant. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe. Et dur, dur là. Appuie. C'est derrière. Bon. Appuie. Bon. Appuie. Bon. Appuie. Ah bah là, il vient de l'air. Pompe. Appuie. Tu as les bulles dernier. Pompe. Tu filmes. Appuie. Voilà. Naturel, il y a. C'est que de l'air en fait qui sort. C'est pour ça qu'il faut bien purger. Pompe. Appuie. Toujours du liquide et de l'air. On voit le nouveau liquide qui arrive. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe. On va passer le trou. Là, c'est bon, c'est du liquide. Pompe. Pompe. Pompe, appuie. Pompe. Eh oh. Tu pompes là? Appuie. Pompe. Ardine. Appuie. Pompe. 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 Appuie. Pompe. Ça dit quoi la pédale, Eve? Plein d'air qui sort. Appuie. Pompe. Appuie. L'air qui sort en montée. Mais c'est normal. C'est la bonne. Pompe. C'est pas rien. Appuie. Pompe. Appuie.
Pompe. Pompe. Appuie. Pompe. On a fait le tour, on finit. Appuie. Il sent encore un peu d'air. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Ah, et là, il n'y a plus d'air. Il n'y a plus que du liquide. Donc on va faire les 4 roues comme ça. Et normalement, et ça va être bon. Voilà, ça va être bon. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe. Appuie. Pompe. Donc voilà, en fait, je vous ai fait voir le principe de pomper et ainsi de suite. Il n'y a rien de compliqué, ça coûte que dalle. Une bouteille de coca, un bout de durite. Ah, je vais vous faire voir comment j'ai fait, moi, mon truc. C'est vraiment tout con, mais ça peut servir pour ceux qui ne savent pas. Donc on part toujours de la roue la plus loin pour revenir à la plus près du mètre cylindre. Donc arrière droit, arrière gauche, avant droit. Et quand, comme là, là, moi j'ai voulu, vous voyez, j'ai complètement vidé le circuit de freinage, quoi. Parce que vous voyez, il n'est pas propre. Hein. Et vu que la voiture a quand même quelques années, je voulais repartir sur du neuf, quoi. Donc j'ai remis du Motul Dot 5. Donc c'est ce qui me restait hein, des voitures de rallye. Donc c'est pour ça que j'ai mis celui-là. Hein. Parce qu'avec Motul, voilà. Et donc du coup, je suis parti arrière, arrière droit, arrière gauche, avant droit. Après, quand c'est pour vider comme ça, il faut un peu aller dans tous les sens pour chasser l'air un maximum, quoi. Donc voilà. Et moi, en même temps, je voulais que ça rince un peu pour enlever tout l'ancien liquide pour être remplacé par le nouveau. Donc voilà, on a pompé pas mal. Donc j'ai fait pomper ma fille. Elle était contente comme tout. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc maintenant, elle s'est purgée des freins à 12 ans. Et donc là, je vais vous faire voir ma bouteille. Comment je l'ai faite, parce qu'il y a un truc tout con à savoir, mais voilà. Donc je vais vous faire voir vite fait. Donc il y en a deux modèles, il y a une grande bouteille, vous voyez. Donc celle-là, elle n'est pas terrible, mais sur le pont, ça va bien. Et celle-là, en fait, c'est une que j'ai fait il y a longtemps. C'était juste pour purger entre deux spéciales, pour ceux qui suivent, vu que je fais des rallyes. Et en fait, donc c'est un bout de durite. J'ai juste mis un collier dedans pour pas que la durite s'en aille. Donc comme ça, elle est bloquée, elle est verrouillée. Il y a deux trous, donc un trou de mise à l'air, un trou pour la durite. Et en fait, la durite, quand elle rentre dans la bouteille, elle plonge dans le fond. Ce qui fait qu'avec le liquide, comment je vais vous expliquer ça? Le liquide qui arrive dans par ici, il arrive là-dedans. Donc quand il y a suffisamment de liquide de style 1,5 cm, eh ben, l'air ne peut pas remonter dans la durite. Donc ce qui fait qu'elle ne fait que pousser. Il n'y a jamais d'air qui remonte. Si vous mettez la durite comme celle-là, là, qui ne va pas dans le fond, vous avez tout le temps l'air qui remonte. Je ne sais pas si j'étais bien clair, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Le mieux, si vous voulez un conseil, c'est la durite qui va jusque dans le fond. Et mettre un fil de fer pour le pendre à la roue, pendre à l'étrier, à n'importe quoi. Et ça va très très bien. Bon, après celui-là, je l'ai fait, mais il y a très longtemps. Et tiens, je me fais tomber le truc dessus. Et vous voyez, il y a toujours du liquide. Alors pour ceux qui disent que ça attaque le plastique, le liquide de frein, bah non, ça attaque pas le plastique. Ça attaque tout sauf le plastique. Et puis voilà, donc c'est le même principe. Hein, j'aurais pu purger avec celle-là. Celle-là, l'avantage, c'est quand la voiture est sur cale, elle touche par terre, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo aura pu servir à un maximum d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt. Une chose qu'il faut surtout pas oublier, c'est tout au long de la purge, de faire attention qu'il y ait toujours un maximum de liquide dans le bocal. Car ça m'a déjà arrivé de pomper et de vider le bocal. Et du coup, ben, après tu repompes de l'air, donc tu es reparti pour un tour. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et dites-moi si ces petites vidéos comme ça vous a plu. Je peux vous en faire plus souvent, des petits tutos vite fait comme ça. Allez, ciao !